deux risques existent. Celui de recevoir une pierre sur la voiture, mais aussi de trouver des pierres déjà tombées. Mais le plus probable est de trouver des pierres sur la route, ce qui peut être dangereux, risque d'éclatement d'un pneu par exemple. Mais ce n'est pas la peine de chercher les ennuis. Si je stationne dans ce secteur, j'augmente le risque de recevoir une pierre sur le toit. Voilà pourquoi il est préférable de stationner en dehors de cette zone. Réponse B et C. Un délit de fuite est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 1 an, A, 3 ans, B, d'une amende pouvant coûter jusqu'à 15 000 euros, C, 75 000 euros, D. Commettre un délit de fuite, c'est provoquer un accident et s'enfuir sans laisser d'adresse. Les sanctions sont extrêmement lourdes, jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Attention, le délit de fuite ne concerne pas que les accidents corporels. Si vous égratignez légèrement une voiture,